Alors, c'est un séminaire qui inclut la bande dessinée. En fait, ce séminaire, avec Jean-Claude Mézières, le dessinateur très connu, graphiste, qui a participé au cinquième élément de Besson, prend place dans un cycle de masterclass sur BD et université. Quatre masterclass autour de la place de la bande dessinée dans les sciences sociales ou les sciences dures. Et l'idée était de ramener, au fond, de la création contemporaine, des artistes contemporains, des auteurs contemporains dans les universités et de parler de leur travail. Voilà. Donc de changer un peu le rapport qu'on a à la création contemporaine dans les universités et de faire dialoguer des étudiants avancés de master avec des artistes contemporains connus sur des problèmes de narration, figuration, illustration. Et le but, c'est un peu d'être capable d'être compétitif avec ce qui se fait aux États-Unis, où il y a des chaires de creative writing, d'écriture de créative, d'écriture d'invention, qu'il y a très peu dans les universités européennes. Maintenant, on est dans une concurrence mondiale des universités. On a vraisemblablement un fort intérêt à se doter de structures d'accueil pour poser des problèmes de création à l'université. On l'a vu aujourd'hui avec Jean-Claude Mézières, c'est aussi un moyen de poser des questions sur le livre et l'architecture du livre, et notamment l'architecture depuis, on va dire, le milieu du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, c'est l'architecture de la double page. Qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de lire sur des parchemins ou sur des rouleaux, on se met à ouvrir les livres et à découvrir les doubles pages avec ces manuscrits médiévaux qui ont des enluminures ou avec ces poèmes qui courent sur deux pages. La bande dessinée, c'est une expérience de la double page. On prend d'abord l'appréhension de la double page, puis on lit case par case ou dessin par dessin. Donc ça permet de poser des problèmes d'histoire du livre, des problèmes d'iconographie, d'image, qu'est-ce que c'est que regarder une image, qu'est-ce que c'est que mettre en image, qu'est-ce que c'est que mettre en scène. Et puis pour les historiens qu'il y avait dans ce séminaire, c'était aussi des questions sur la narration, la narrativité. Comment on raconte une histoire ou comment on raconte l'histoire avec un grand H? Est-ce que c'est la même façon? Est-ce que nous, on peut avoir des pays, je suis historien, est-ce qu'on peut avoir des personnages de fiction? Est-ce que je vais raconter une histoire de la même façon avec des personnages réels qu'ont vécu? Est-ce que je peux leur faire tenir des propos de fiction? Est-ce que je peux imaginer ce qu'ils ont pensé, comme le faisaient les historiens de l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle? Ils imaginaient le discours d'Alexandre, le discours de tel ou tel général à telle bataille. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est la BD, c'est le cinéma qu'il fait pour nous. On va voir des films historiques, on va voir Troie, on va voir Kingdom of Heavens, où ils tiennent des propos vraisemblables. Et c'est ça qui nous intéressait dans un dialogue avec un auteur de bande dessinée. Mais surtout, c'est vraiment de confronter les universités à la création contemporaine et à l'imagination, à l'imaginaire. Donc on compte bien continuer. Ici, nous avons le soutien du rectorat, déterminé, et c'est heureux. Et c'est Neuchâtel qui pilote cette masterclass, ce cycle de quatre masterclass. C'est Neuchâtel, l'université pilote. L'éditeur partenaire, c'est les éditions d'Argo. Est assez content pour l'instant des deux premières masterclass et assez content pour qu'on puisse imaginer une suite l'an prochain. Avec d'autres auteurs, plus jeunes, moins connus peut-être, mais on devrait continuer. Et puis j'espère élargir ça lorsqu'on aura fait la preuve du succès avec la bande dessinée, élargir vers la vidéo, vers les séries télé, vers les auteurs de séries, et si un jour on devient riche et célèbre, vers le cinéma.